Aujourd'hui, je vous invite à me suivre tout au long de mes investigations qui portent sur l'une des plus grandes énigmes de l'âge antique, la mort du pharaon Toutankhamon. Dès l'instant où sa momie a été découverte, les rumeurs d'un crime ont circulé. Un examen en rayon X a révélé les signes d'une possible agression. À ce jour, de nouvelles preuves apparaissent. Elles remettent en cause la piste criminelle. Quelle vérité se cache derrière le destin tragique du roi Toutankhamon ? Pour découvrir la vérité, je vais me rendre dans le tombeau où sa momie repose encore aujourd'hui. Je vais essayer. Je vais tester les armes retrouvées dans sa tombe. Et grâce aux prouesses de la science moderne, je vais vérifier la thèse du meurtre. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Ce que nous voyons derrière cette vitrine est le masque funéraire du pharaon Toutankhamon. C'est un véritable chef-d'œuvre de talent et de savoir-faire. 11 kilos d'or pur, recouverts de pierres précieuses et de pierreries. Derrière ce masque se trouvait le visage momifié d'un jeune homme de 19 ans. Je m'appelle Josh Bernstein. Je suis ici en Égypte car il y a eu récemment de nouvelles découvertes concernant la mort énigmatique de Toutankhamon, l'enfant roi. Je commence mes recherches à Louxor, qui se trouve à 700 km au sud du Caire, la capitale du pays. C'est là, dans cette ville antique sur les bords du Nil, il y a plus de 3000 ans, que vivait le pharaon dont la vie s'est brusquement arrêtée. Les archéologues lui donnent le nom grec de Thèbes, mais au temps de Toutankhamon, la ville s'appelait Wasset. C'est là qu'il vivait. Pour les Égyptiens du temps des pharaons, le Nil était le symbole de la vie. L'Est, là où le soleil se lève, représentait la naissance. Et l'Ouest, là où il se couche, représentait la mort. Je vais suivre le Nil et effectuer le chemin du dernier voyage du pharaon. Direction Ouest, la vallée des rois. Les premiers indices sur la mort mystérieuse de Toutankhamon commencent ici. S'il y a une personne capable de m'aider à faire la lumière sur cette histoire, c'est bien le professeur Zahi Hawass. Bonjour Zahi. Bonjour Josh. Cette fois, je viens pour l'enfant roi. Oui. Il est ici, dans la vallée des rois? Pourquoi ici? Parce que cet endroit est calme et sûr. C'est mieux si on veut cacher une tombe. Et puis, la montagne est en forme de pyramide. Ils ont décidé que cet endroit abriterait les tombeaux de tous les pharaons du Nouvel Empire. Toutankhamon était l'un d'eux. On va voir sa tombe? Allons-y. Du temps de Toutankhamon, les pharaons ne construisaient plus de pyramides pour abriter leurs tombes. Ils creusaient des tunnels et des chambres funéraires dans des montagnes de forme pyramidale. En 1917, Howard Carter, un archéologue britannique, arrive dans cette vallée. Après des fouilles infructueuses, il s'attaque au soubassement de la montagne. En 4 années, Carter ne fait aucune découverte. C'est pourquoi il reçoit un ultimatum. Lord Carnarvon, un riche aristocrate anglais, finance les fouilles. Après des négociations, Carter le convainc de poursuivre les fouilles pendant une année encore. Et c'est justement durant cette année que la découverte la plus importante de l'histoire de l'archéologie a eu lieu. On peut entrer ? Bien sûr ! J'ai apporté des lampes torches. Bien. Le 26 novembre 1922, Carter et Carnarvon empruntent ces escaliers pour la première fois. Ce sont les marches que Carter a descendues. Oui. Rien n'a changé depuis. Arrivé en bas, Carter creuse un trou dans la porte d'entrée de la tombe. Et là, il contemple un trésor d'une richesse inestimable. Pendant qu'il regarde à l'intérieur, Lord Carnarvon lui demande « Que voyez-vous ? » Il a répondu quoi ? « Des choses merveilleuses, des choses merveilleuses !» De l'autre côté se trouve un trésor de plus de 5000 objets. C'est le plus grand et le plus ancien trésor au monde.
Le tout regroupé dans quelques petites pièces. En face de la porte d'entrée de la tombe se trouve l'entrée de la première pièce appelée antichambre. Aujourd'hui, elle est vide et fermée au public. Je ne suis jamais allé dans la chambre du trésor, ni dans l'annexe avec une équipe de tournage. C'est une exclusivité, alors? C'est la première fois. Une exclusivité pour vous. Mais il faut que tu saches une chose. Imagine-toi cette pièce remplie d'or. D'or? D'objets en or, ensevelis dans ça de terre qu'il a fallu dégager lors des fouilles. C'est ici qu'il y avait la plupart des objets. Adjacente à la chambre funéraire, il y a une autre petite pièce qui contient toujours des reliques datant de l'époque des pharaons. C'est la chambre du trésor. Ces choses-là font partie du tombeau ? Oui, on a laissé ça ici. Regarde, il y a des hiéroglyphes dessus. Ouais. Il n'y a plus du tout d'or ici. Tu peux toucher. C'est génial. Je touche le passé. C'était comment ici avant ? Eh bien, qu'est-ce qu'il y avait ? Dans la chambre du trésor, il y avait des chapelles, de l'or, des statues. C'est l'endroit où il y avait le plus d'objets précieux. Je pense qu'il n'y a pas de plus grand trésor au monde. Des objets précieux étaient entassés dans la chambre du trésor et dans l'annexe, juste à côté de la chambre funéraire de Toutankhamon. C'est le plus grand trésor archéologique jamais découvert. Oui. Regarde, Josh. Regarde ce visage. Le sarcophage en or du roi, tel qu'il a été découvert, est intact. L'identité de ce roi, ainsi que son histoire, éveille immédiatement l'intérêt des archéologues. Celui qui s'approche se fait mordre par le cobra. Ce beau visage n'est pas celui d'un vieux sage, mais celui d'un jeune homme. Le trésor est entassé dans une tombe trop petite pour un pharaon. La plupart du temps, le tombeau du roi est construit là où il a vécu et régné. C'était une importante construction qui pouvait compter plus de 100 pièces. Mais le tombeau de Toutankhamon n'a que 4 pièces. Les travaux avaient commencé depuis peu. Cela prouve que sa mort est arrivée par surprise. Il est mort brutalement. C'est tout ce qu'ils ont pu faire en si peu de temps. Quand Toutankhamon est mort, il fallait faire les choses très vite. Des peintures murales simples, dépourvues de sculptures ornementales, indique que la chambre funéraire a été réalisée à la hâte. Regarde cette scène. Elle montre le roi Toutankhamon reposant dans sa chapelle. Et les personnages là, c'est la procession funéraire. Ils emmènent la momie dans la tombe. Et maintenant, regarde ceci. Autour du sarcophage, les scènes racontent le passage du roi dans l'éternité. Pour les Égyptiens et leurs croyances, ces peintures devaient obligatoirement figurer dans le tombeau du pharaon. Mais généralement, elles sont beaucoup plus élaborées. Les archéologues comprennent qu'il s'agit d'un jeune roi, mort prématurément et dont la tombe a été préparée à la hâte. Mais quelques mois après l'ouverture du tombeau et après le décès de Lord Carnarvon, le financier des fouilles, une rumeur bizarre commence à circuler. Le tombeau du pharaon Toutankhamon serait maudit. La presse de l'époque en fait une légende de renommée internationale. D'autres personnes meurent en Égypte et hors d'Égypte. Elles sont toutes mises sur le compte de la malédiction du roi. Cette fascinante histoire fait le tour du monde. La légende de la malédiction de la momie est née. Est-ce que vous pensez que cet endroit est envoûté ? Tu sais, la découverte du tombeau et tout ce qui s'est passé autour à cette époque a de quoi envoûter quelqu'un. Et ça a été mon cas. Il y a un mystère qui entoure ce roi. Un mystère et une magie. De nos jours, plus personne ne croit en cette malédiction. En revanche, l'énigme sur les conditions de la mort de l'enfant roi grandit. Pour continuer mes recherches, je quitte l'enceinte du tombeau. Je me rends au musée égyptien du Caire, sûr d'y récolter des informations, car c'est là que le trésor de Toutankhamon est conservé. C'est l'un de mes musées préférés. La momie de Toutankhamon ne reposait pas dans un sarcophage. Nous avons vu celui qui se trouve dans le tombeau, mais dans 3 sarcophages.
Le premier contenait le deuxième, qui contenait le troisième. À l'intérieur du troisième reposait la momie du jeune roi, dont la tête et les épaules étaient recouvertes par l'éblouissant masque d'or. Pour avoir une idée des objets qui font partie du trésor, Madame Wafa El Sadik, la directrice du musée, a accepté de m'aider. C'est vrai que c'est magnifique, mais pourquoi l'or est si important? Eh bien, l'or est la couleur des dieux. Donc, en mourant, il devient un dieu. Il ne s'agit pas d'une fin, mais du commencement d'une vie éternelle. Je vous suis. Pour le peuple de l'Égypte antique, Toutankhamon est devenu un dieu. Son corps est paré d'objets précieux qui symbolisent le changement de son état. Ces objets ont vocation à le protéger dans sa nouvelle vie. Encore des bijoux? Oui, ce sont ceux qui étaient sur la momie. Les couches successives qui abritaient la momie étaient décorées de joyaux symboliques, comme le scarabée, le cobra ou le vautour. Là, qu'est-ce que c'est? Après les bijoux, la directrice du musée me montre des objets très intéressants. Il s'agit de gants et de sandales. Il y a des tailles pour enfants et des tailles pour adultes. Les archéologues font la déduction suivante. Toutankhamon est probablement devenu roi vers l'âge de 10 ans. Au cours de son règne, l'enfant roi devient un jeune adulte. Depuis son trône, le souverain gouverne la civilisation la plus avancée de l'époque. Voici le fameux trône de Toutankhamon. On le voit ici sur un trône, qui n'est pas celui-là, avec sa femme qui le parfume. Quelques détails de la vie intime du jeune homme nous sont parvenus grâce aux objets du tombeau. On sait par exemple que sa femme était sa sœur ou sa demi-sœur et que leurs deux enfants sont morts après leur naissance. Nous avons de plus en plus d'informations sur la vie du roi. Mais nous ne savons toujours pas ce qui a entraîné sa mort. Pour trouver une explication, je dois bien sûr examiner son trésor, mais je dois aussi étendre mes recherches aux autres objets de cette époque. Dans une partie fréquentée du musée, Madame Wafa me montre justement une stèle qui remonte à Toutankhamon. À mon avis, c'est le document le plus important. Cette stèle nous donne des renseignements sur la situation de l'époque. C'est un témoignage. Exactement. Il y est dit, je crois, nos temples sont abandonnés, nos dieux ne sont pas vénérés, nos prêtres n'officient plus. C'est ce qui est écrit, je crois. Oui, en effet, elle parle des temples. La stèle de la restauration n'évoque pas la mort du pharaon, mais elle nous apprend que pendant son règne, l'Égypte était en crise. Toutankhamon a de graves problèmes à résoudre. Cette stèle est plus importante que l'or et l'argent et tous les objets précieux. Vraiment? Oui, bien sûr. De tous les trésors qu'on a vus, c'est le plus important? On a eu la chance de trouver ce texte. Pour moi, ça a plus de valeur que l'or. C'est à cause des informations? C'est de l'histoire. Pour moi, ça signifie que j'ai une nouvelle piste à explorer. Je pourrais peut-être résoudre l'énigme en étudiant les textes qui nous ont été laissés par les scribes et les pharaons. Dans un instant, je reproduirai le nom du roi Toutankhamon. Puis j'essaierai de comprendre pourquoi tout a été fait pour l'effacer de l'histoire. J'essaie de faire la lumière sur un mystère très ancien, la mort de Toutankhamon. J'ai quitté la ville du pharaon et suivi le Nil pour visiter sa tombe. Je vais m'intéresser à l'écriture égyptienne et peut-être découvrir une nouvelle piste. Contrairement aux autres civilisations anciennes, les Égyptiens sont des écrivains prolifiques, surtout à l'époque de Toutankhamon. Peut-être que quelque chose est écrit sur un papyrus ou gravé sur une pierre. Mon amie Salima Ikram est experte en écriture et langage égyptien. Elle est d'accord pour me donner un cours d'écriture accéléré. Elle va m'apprendre comment les Égyptiens ont retranscrit l'histoire des pharaons. Ravi de vous voir. Oui. C'est ici que nous allons. D'accord. C'est dans la banlieue du Caire que Salima a installé son atelier d'écriture de hiéroglyphes. La vue de mon bureau est pas mal, mais là...
La leçon commence par le papyrus. Et ça, c'est un cyprus papyrus. À l'époque, ils utilisaient cette plante? Oui, ils utilisaient seulement cette plante jusqu'au 11e siècle. Pour commencer, il faut couper la tige. 2000 ans avant le règne de Toutankhamon, les Égyptiens faisaient ces mêmes gestes. Ils coupaient la tige, puis ils trempaient les morceaux dans l'eau. Il faut les laisser tremper. On les laisse tremper plusieurs jours. Ils se gorgent d'eau et deviennent marrons? Oui, et ils ramollissent aussi. Étape suivante. Oui. Essorez-le. J'ai compris. J'ai l'impression de faire de la cuisine. Je remets ça en place. Aujourd'hui, nous allons cuisiner du papyrus. Heureusement pour nous, le pharaon n'est pas là pour nous juger. Je vois. Une fois que les morceaux de papyrus ont fini de tremper, les bandes essorées sont aplaties, frappées et laissées dans un tissu pour le séchage. Voyons le résultat. Allez-y. Vous avez vu? Montrez-moi comment on écrit sur du papyrus. Bien sûr. C'est de l'ocre. À l'époque, les Égyptiens utilisent des couleurs naturelles comme l'ocre et le charbon. L'écriture hiéroglyphique est un des premiers systèmes d'écriture de l'histoire de l'humanité. Comment l'écriture hiéroglyphique a-t-elle évolué dans le temps? Au départ, il n'y avait que des symboles. Ensuite, l'écriture s'est organisée et a donné le langage hiéroglyphique avec des phonèmes. Et voilà. Vous connaissez un signe? Le signe Ankh est facile. Ankh? Ankh. Ah oui, je connais. Allez-y. C'est comme ça que faisaient les scribes. C'est le Ankh de Toutankhamon. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ankh, c'est la vie. Mm-hmm. Toutankhamon veut dire l'être vivant d'Amon. Oui. Vraiment? La manifestation vivante d'Amon. On dirait que la brosse est trop grosse. On identifie un texte de Toutankhamon grâce à son cartouche. Le nom du roi est gravé sur les monuments et les constructions qui lui appartiennent. Il est inscrit dans la pierre pour l'éternité. C'est très intéressant, mais d'après ce que je vois là, il y a une autre façon d'écrire un texte. Oui, les textes les plus importants figurent sur les murs des monuments et des temples, et donc sur la pierre. Le résultat est très beau, mais ça prend beaucoup plus de temps. Là, on peut lire Amon, ici Toutankh, et ça, c'est quoi? En fait, c'est le nom complet du roi, c'est-à-dire Toutankhamon, Hekayunu Shema. Si quelqu'un voulait envoyer un message, il l'écrivait... Sur du papyrus? Sur du papyrus. C'était le courriel de l'époque. Oui, si on veut. Mais pour un texte officiel ou quand le roi voulait faire passer un message, c'était gravé dans la pierre. Oui, quand le roi voulait écrire un texte officiel sur un temple ou transmettre une bataille victorieuse à la postérité, c'était gravé dans la pierre. Pour célébrer un événement important, c'était gravé dans la pierre parce que c'est durable dans le temps. C'était écrit une seule fois, mais pour l'éternité. À partir de ces signes, l'écriture égyptienne évolue en un système complexe. Les pharaons de l'Égypte antique ont laissé de nombreux témoignages dans tout le pays. Ils aimaient laisser leurs empreintes et je sais que l'endroit qu'ils affectionnaient tout particulièrement se trouve au sud du Caire. Retour vers le site de Louxor. Les temples de Karnak. Il s'agit du plus grand complexe religieux du monde. Ici, les pharaons n'ont pas hésité à laisser leurs marques. Il n'y a donc pas meilleur endroit pour chercher des informations sur la vie et la mort de Toutankhamon. Je veux localiser le cartouche de Toutankhamon. Pour m'aider à le trouver, je rencontre le professeur Donald Redford. Monsieur Redford? Oui, Josh. Bonjour, Josh. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. Vous m'avez fait venir, pourquoi? Je voudrais vous présenter Toutankhamon qui est juste là. Cette statue a traversé les âges, mais elle est très abîmée. C'est la preuve que l'enfant roi a laissé son empreinte à Karnak. Mais apparemment, son nom a été effacé. Il y a des cartouches de Toutankhamon? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pratiquement pas de traces de lui. Et quand il y en a, son cartouche est effacé. Vraiment? Oui. Pas de traces? Rien. Il a été frappé d'anathème. Il a été damné. Sa mémoire a été damnée car elle était souillée par l'hérésie amarnienne. Oui, je connais cette histoire. La révolution d'Amarna et le culte d'Aton. Oui. Il y a quelque temps, j'ai visité les ruines d'une ville antique appelée Amarna.
À l'intérieur d'un tombeau se trouvent les signes de ce qui a provoqué une révolution religieuse. J'apprends aujourd'hui qu'elle a eu un impact sur le règne de Toutankhamon. La cause de tout est cette image qui représente un dieu, le dieu Aton, qui signifie disque solaire. Le prédécesseur de Toutankhamon, le roi Akhenaton, impose le culte d'Aton. Il force les Égyptiens à vénérer ce dieu unique. L'accès au temple des autres dieux est défendu. Mais une résistance s'organise et le pays connaît une véritable crise. Donald Redford m'explique que le jeune roi réussit à stopper la révolution. Pour certains, ce serait la cause de son élimination. Est-ce qu'il a mis fin au culte imposé par Akhenaton ? 3 ans après le début de son règne, et probablement sur les conseils de ses mentors, il a mis en place un programme de réouverture des anciens temples, les temples des dieux. Si j'ai bien compris, quand Toutankhamon a pris ses fonctions, l'Égypte était en désordre. Oui, absolument. Des problèmes d'argent. C'est exact. Pour redonner au pays un semblant d'ordre, il a tiré un trait sur Amarna et Aton, le disque solaire. Oui. Il a remis l'ancien système en place, celui qui existait avant la fermeture des temples par Akhenaton. D'accord. Le jeune roi a fait preuve de beaucoup de maturité. Oui, mais il avait des mentors qui n'étaient pas sur le devant de la scène. Qui attendaient la fin de la religion d'Akhenaton. Oui, ils l'ont encouragé dans ce sens. Avec l'étroite collaboration de ses conseillers, Toutankhamon réussit à renverser la situation dont il a hérité. Pour certains historiens, c'est le signe d'une politique forte. Pour d'autres, Toutankhamon a suivi le plan conçu par d'autres. Peut-être qu'il y a plus ou moins été forcé. Oui, il était jeune, il fallait satisfaire le peuple, oui, mais le conseiller aussi. C'est vrai, et puis il était malléable, je veux dire, ce n'était qu'un enfant. Lorsque des archéologues font des découvertes sur la période amarnienne et sa chute précipitée par Toutankhamon, l'hypothèse d'un assassinat commence à circuler. Les principaux suspects sont des membres de sa cour. Le suspect numéro 1 s'appelle Horemheb. Il est le chef militaire et le conseiller de Toutankhamon. Il est aussi prétendant au trône. Après la mort de Toutankhamon, il veillera à ce que son nom soit effacé de tous les édifices d'Égypte. Le deuxième suspect s'appelle Aya, le conseiller politique du jeune roi. Pendant le règne d'Akhenaton, il avait accédé à de très hautes fonctions. Après la mort de Toutankhamon, il lui succédera sur le trône. Ces deux hommes avaient un intérêt à ce qu'ils disparaissent ou à ce qu'ils soient assassinés. Dans un instant, les égyptologues vont soumettre la momie au rayon X grâce à un appareil de scanographie ultra puissant. Le roi a-t-il été assassiné ou était-ce un accident? J'essaie de percer le mystère qui entoure la mort du pharaon Toutankhamon. J'ai pu voir le cercueil qui contient toujours sa dépouille. J'ai découvert qu'il avait fait face à des problèmes politiques et religieux. Mais a-t-il été vraiment assassiné? Il est temps pour moi de retrouver l'incontournable Zahi Hawass, qui est expert en la matière. Nous allons parler de Toutankhamon. Assieds-toi. D'accord. Moi, je vais m'asseoir ici et te raconter tout ce que je sais sur lui. Très bien. Tu sais, la momie a été passée 2 fois au rayon X et on a dit que Toutankhamon avait été assassiné. Oui, j'ai creusé cette idée. Vraiment ? Peut-être pour des raisons politiques, Horemheb. Oui. Le crâne de Toutankhamon a été radiographié 2 fois. L'image a montré une cavité à la base du crâne. Pour les archéologues, ce trou, c'était la preuve qu'ils cherchaient. La théorie selon laquelle il serait mort suite à une agression et à un coup porté derrière la tête devient plausible. Mais pour Zahi, les recherches continuent. Tu sais, dans ma vie d'archéologue, j'ai vécu des moments formidables. Des moments très importants que je n'oublierai jamais. L'un d'eux, peut-être le plus important, a été de me retrouver en face du roi Toutankhamon. Vous l'avez vu ? C'était stupéfiant. Oui. De regarder son visage. En 2005, Zahi et son équipe d'égyptologues se rendent dans la vallée des rois. Ils exhument la momie du pharaon pour la passer dans un scanner. 2000 images plus tard, une image en 3 dimensions est reconstituée sur ordinateur.
pour Zaïs est la plus belle image jamais prise du jeune roi. D'autant qu'elle écarte la théorie de l'assassinat. En examinant ces images, les archéologues constatent qu'il n'a pas reçu de coup derrière la tête. Non, mais il y a un trou. Ce trou, oui. Ce n'est pas la marque d'un crime. Cette cavité a été faite lors d'une étape de la momification qui était pratiquée sous la 18e dynastie. Ils faisaient un trou par ici pour y couler un liquide. Vraiment, c'est pas quelqu'un qui a frappé avec un objet. Non, non. C'est un fait qui écarte la thèse du crime. Il n'y a pas eu de crime. Non. Vous êtes sûr? Absolument. Mais en examinant l'image du scanner, Zaï découvre quelque chose qui aurait peut-être pu causer la mort de Toutankhamon. Depuis plus de 3000 ans, ce corps momifié gardait un secret. Une fracture à la jambe gauche. La gravité de la lésion a pu entraîner la mort de Toutankhamon. L'idée du meurtre est passionnante. Il y a le côté mythique et mystérieux. Mais je suis tellement heureux d'avoir fait tout ça et que les archéologues aient fait cette découverte. Depuis le début, je me disais, j'espère que ce beau jeune homme n'a pas été frappé à mort. L'idée, c'est qu'il n'a pas été tué pour des raisons politiques, mais qu'il serait mort pour des raisons médicales. Oui, c'est exactement ce que je crois aujourd'hui. Il semble qu'il ait eu un accident. En voyant ces images, les archéologues se posent cette question. Une fracture à la jambe a-t-elle pu causer la mort du roi? J'abandonne la piste criminelle pour suivre la piste médicale. À Alexandrie travaille un médecin qui sait de quelle façon Toutankhamon a probablement été soigné il y a plus de 3000 ans. Il s'agit du docteur Sameh Arab. Docteur, bonjour. Bonjour. J'ai trouvé votre bureau. Je suis ravi de vous rencontrer. Je vous ai apporté ça. Pour vous, ça doit être assez palpitant d'étudier les radios d'un pharaon. Ah oui, ça l'est. Il s'agit d'une lésion grave? C'est une lésion grave. C'est grave. Le trauma est important. D'après ce que je sais, le fémur ne se casse pas facilement. Non, en effet. C'est un des os les plus solides du corps. Et il est recouvert par les muscles. Il ne casse pas facilement. Une telle blessure peut-elle être mortelle? En général, les fractures ne sont pas mortelles. Mais si le trauma est important, il peut y avoir des complications. Il y a un risque d'hémorragie, d'une importante hémorragie et un risque d'infection. Il a dû se passer beaucoup de temps avant qu'il reçoive des soins médicaux. Ça a dû être un choc très important, comme s'il avait cogné contre quelque chose, ou comme s'il avait été frappé avec un objet dur, ou comme s'il était tombé d'une certaine hauteur, d'un cheval, par exemple. Est-ce qu'il est possible, je sais que c'est l'un de vos centres d'intérêt, est-ce qu'il est possible de remonter le temps et de me montrer comment la médecine était pratiquée dans l'Égypte antique? Oui, on peut faire ça. Allons dans la salle de consultation, je vais vous montrer. Oui, d'accord. Je suis Toutankhamon. Vous êtes Toutankhamon. D'accord. Et vous, vous êtes le médecin du roi? Le Sounou, le médecin du roi. D'accord. Les médecins du pharaon sont de fervents observateurs de la nature. C'est dans la nature qu'ils trouvent leurs remèdes et médicaments avec lesquels ils auraient pu sauver la vie du roi. Je ne me sens pas très bien. Je ne me sens pas très bien. Il faut d'abord arrêter l'hémorragie. D'accord. Pour arrêter les saignements, de la viande crue. Voilà, un morceau de viande. On l'applique et on appuie dessus. C'est froid. L'écorce de saule est utilisée comme antidouleur. La salicine. Je le sais, c'est le premier composant de l'aspirine. Mais ce qui menace Toutankhamon qui souffre d'une blessure ouverte et d'une fracture de la jambe gauche, c'est une infection. Je peux utiliser ça pour dessiner la blessure? J'en ai pour une seconde. Quand je forme des secouristes pour les aider à visualiser le type de blessure qu'ils risquent de voir en vrai, on les dessine. En vrai, ce serait pire. Nous allons appliquer du miel qui est ce que nous appelons hygroscopique, parce qu'il absorbe l'eau. L'eau est absorbée. L'eau est absorbée. Et du coup, ça tue tous les organismes. C'est juste du miel? Oui, vous pouvez goûter si vous voulez. C'est du miel.
En fait, le miel est stérile, c'est ça, non? Stérile. Le miel est stérile et donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'organismes qui peuvent se développer dans le miel. Si les micro-organismes ne peuvent pas se développer dans le miel, alors une infection non plus. Ils avaient de la pénicilline? Oui. Le miel était un antibiotique, tout comme le pain moisi. Ne vous inquiétez pas, c'est un antibiotique. D'accord. Mais avant de mettre ça sur ma jambe, je veux le regarder pour vraiment bien l'apprécier. C'est du pain moisi. De la pita, non? Le pain arabe. De la pénicilline. Et du miel. Avec tout ça, aucun microbe ne peut passer. C'est ça. Tout va bien. Dans l'Égypte ancienne, l'infection est un grand sujet de préoccupation pour les médecins. Ils ont découvert de nombreux moyens de prévention. En le pressant, vous aurez du jus. On a découvert que dans l'ail et l'oignon, il y a une substance spéciale, comme un antibiotique. Vous voulez bien m'en donner un? Une moitié? Voilà comment on fait un jus d'oignon. Mon genou va avoir l'odeur la plus incroyable de tous les temps. Vous croyez que je survivrai? Oh oui. D'accord. Entre la viande, la moisissure, l'écorce de saule, le miel, la médecine de l'Égypte antique est très avancée pour l'époque. Seulement voilà, le roi est mort. Je me pose des questions parce que pour moi, le pharaon avait une vie très protégée. Il avait des serviteurs, des courtisans, des gens qui étaient là pour exécuter ses ordres. Nous savons qu'il a été gravement blessé. Le fémur ne se casse pas facilement. Et puis, on n'en meurt pas. Mais après tout, peut-être que le roi n'était pas si bien protégé. Je me demande ce qu'il a rendu vulnérable. Dans un instant, je vais m'approcher des circonstances de la mort de Toutankhamon grâce aux armes qu'il utilisait. Je vais apprendre en quoi consistait l'entraînement militaire du pharaon. J'essaie de résoudre l'énigme qui plane autour de la mort de Toutankhamon. J'ai vérifié la rumeur de son assassinat. Et j'ai découvert qu'une jambe cassée pourrait en être la cause. Pour comprendre les circonstances de cet accident, je dois mieux connaître sa vie. C'est pourquoi je retourne au musée égyptien. Madame Wafael Sadik, la directrice du musée, me parle cette fois-ci du roi en tant que soldat. De quoi parle cette scène? Cette scène montre Toutankhamon sur son char, attelé de magnifiques chevaux. Sur ce célèbre coffre, il est représenté à la guerre, se battant sur son char. Après avoir inventorié et étudié les objets du trésor, les égyptologues constatent que non seulement il remplissait sa fonction de roi, mais aussi celle de chef militaire accompli. Ce sont les arcs de Toutankhamon? Oui, ce sont ces arcs. Il y en a beaucoup? Oui, et il y a également beaucoup de flèches. Là, ce sont les cordes, et là, ça ressemble à des frondes. Il aimait probablement le tir à l'arc. Une grande quantité d'armes fait partie du trésor de Toutankhamon, plus de 50 arcs. Il y a de nombreuses flèches? Oui. Et 400 flèches. Mais le plus remarquable est ce char. Le roi a été inhumé avec 6 chars de ce genre. Mais celui-là est trouvé dans un état absolument parfait. Il est recouvert d'or. Nous avons toutes les pièces de ce char. On peut imaginer qu'avec ce char, tiré par ses 2 chevaux, il est allé à une cérémonie, ou qu'il a fait du tir à l'arc, et pourquoi pas les deux? Oui. Toutankhamon aurait été initié à l'art de la guerre dès son plus jeune âge. Sa tombe était remplie d'armes de l'Égypte ancienne et certains éléments prouvent qu'elles lui ont tout appartenu. En tant que pharaon, Toutankhamon était le commandant de l'armée égyptienne. C'est peut-être l'entraînement militaire ou sa présence sur un champ de bataille qui est à l'origine de sa mort prématurée. Dans le désert, sur un terrain où le roi s'est peut-être entraîné, je rencontre l'historien militaire et expert en armes Mike Lodes. Il a accepté de me montrer les différentes étapes que l'enfant roi a probablement franchies. Je suis allé au musée et j'ai vu les objets qui étaient dans la tombe de Toutankhamon. Je voudrais vraiment savoir comment il utilisait ses armes. Je voudrais apprendre ce que le pharaon a appris.
Le pharaon devait prouver sa force à la guerre et aussi à la chasse. Ses disciplines étaient très importantes. Il devait montrer que son statut de pharaon lui revenait de droit, qu'il était héroïque. Il s'est entraîné dès l'enfance. Dès l'enfance, probablement à partir de 7 ans. Les armes retrouvées dans le tombeau ne sont pas factices. Elles n'étaient pas là par hasard. Toutankhamon s'est peut-être blessé alors qu'il s'entraînait à devenir un guerrier. Mike me montre tout son arsenal, en commençant par l'arme la plus rudimentaire. Pour moi, la chose la plus surprenante dans le trésor de Toutankhamon, ce célèbre trésor, le plus incroyable trésor de tous les temps, ce sont ses bâtons. De simples bâtons. C'est une arme offensive qui était utilisée comme massue. Mais en général, on l'utilisait pour la chasse. Il est possible qu'il s'entraînait à un jeu d'adresse. Oui, je crois. Et qu'on soit petit ou grand, pauvre ou riche, essayer d'atteindre une cible en lançant un bâton, c'est amusant. On peut s'amuser? D'accord, vous êtes prêts? Oui. Il est peu probable que Toutankhamon se soit blessé en lançant un bâton. Mais cette pratique le rend plus fort et plus habile. Bravo, excellent tir! Dans la tombe du pharaon, il y avait différentes armes, et on pense que le jeune roi les avait toutes utilisées. Ce qui m'a également surpris, c'est qu'on a trouvé dans cette tombe royale un lance-pierre. Le lance-pierre est une arme très basique. Je veux dire que c'est celle du jeune berger, l'arme du pauvre. Mais la fronde du roi est bien sûr plus sophistiquée. Le lance-pierre est une arme très ancienne. Pour les rois d'Égypte, un véritable progrès militaire se produit avec l'arrivée de l'arc et de la flèche. Je sais que du temps des pharaons, l'arme la plus mortelle était celle-ci. Absolument, c'est aussi l'arme la plus prestigieuse. Voilà, comme vous pouvez le voir, cet arc ressemble à ceux que vous avez vus au musée. C'est très ressemblant. Mais ce que vous avez vu dans le musée avait une forme complètement différente de ceci. Ce W aplati devient un magnifique arc de cercle. Et souvent, les gens pensent que ce n'est pas la même arme et qu'il s'agit de deux arcs distincts. Je vois. Mais quand on met la corde, c'est un peu de la magie d'archer, sa forme n'est plus la même. Il se métamorphose pour devenir un arc anguleux. Et ensuite, quand vous bandez l'arc, il forme un magnifique arc de cercle. C'est une pièce extraordinaire. En grandissant, les entraînements de Toutankhamon deviennent de plus en plus difficiles. Après l'apprentissage et la pratique de la chasse, c'est au tour de l'attelage. Le but est sans doute de combiner les différentes disciplines pour exercer un art à haut risque, celui du combat de chars. Dans un instant, je monterai dans le char du roi Toutankhamon et vérifierai une nouvelle théorie sur les causes de sa mort. Je suis sur les traces du pharaon Toutankhamon. Je suis en train d'apprendre comment il était entraîné militairement et me rends compte de la dangerosité des exercices, notamment celui du char de guerre. Ça ne va pas être facile. Il est splendide. Le char date de l'époque où les Égyptiens utilisaient des arcs en bois, des bâtons, des frondes. Oui. Il est apparu 150 ans avant Toutankhamon. C'est une avancée majeure pour l'Égypte. C'est une arme terrifiante et surtout, il y a quelqu'un qui le conduit. C'est la personne la plus haut placée du royaume, le pharaon. Ah, merci. C'est pour tirer? C'est ça. Je peux? Oui, fléchissez les genoux pour absorber les chocs. D'accord. C'est impressionnant. Prenez bien le temps de vous préparer pour être prêt le moment venu, hein, parce que c'est très délicat. J'ai vu que vous aviez installé une cible là-bas. En effet. D'accord. C'est parti! Je suis déjà monté sur un char comme archer. Il y a mille façons de se blesser. Les chevaux peuvent s'emballer, vous pouvez heurter une pierre ou juste glisser. Mais avec un peu de pratique, on peut espérer atteindre la cible. Mais d'après Mike, le pharaon prenait des risques beaucoup plus importants. Vous trouvez que c'est difficile? Le pharaon, lui, faisait quelque chose que personne d'autre ne faisait. Il avait son régiment de chars avec les archers et des conducteurs, et ils faisaient leur travail.
Parce qu'il voulait les dépasser et montrer sa descendance divine, le pharaon, lui, galopait en solo, seul aux commandes et au tir à l'arc. C'est très difficile et c'est très dangereux. J'ai vu la peinture de Toutankhamon, mais je pensais que c'était plus le symbole de son standing politique, une image artistique, qui ne reflète pas vraiment la réalité. Vous avez tout à fait raison. On ne peut pas vraiment savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et on peut penser que cette prouesse de mettre les rênes autour de la taille n'est pas réalisable. Mais ça, c'est notre prochain défi. Est-il possible de contrôler le char sans les mains? C'est ce qu'on va voir. Si oui, les chevaux du roi étaient probablement dressés pour. Allez, au galop! Allez, au galop! Les miens ne le sont pas. Mais finalement, ils se mettent au travail. Il n'est pas impossible de diriger le char en tenant les rênes d'une main ou en les passant autour de la taille. Alors Josh, c'était comment? Génial. Je trouve que vous vous en êtes très bien sorti, c'était super. Mais c'est dangereux, et ça l'était aussi pour Toutankhamon. Imaginons qu'il conduit le char et tout d'un coup il tombe. Il suffit d'un petit mouvement. Quelque chose peut faire peur aux chevaux. Vous êtes en position de tir. Ou alors, regardez comme l'axe est petit. Un char doit être le plus léger possible, mais ça comporte des risques. S'il casse, le char bascule d'un seul coup. Il est éjecté, mais les rênes sont toujours autour de lui et il se fait traîner derrière les chevaux. C'est extrêmement dangereux. Bien sûr. Donc, l'idée qu'il ne s'agit pas simplement d'une arme de guerre, mais de l'objet qui aurait pu le blesser, peut être envisagée. C'est possible. C'est tout à fait vraisemblable. Toutankhamon, enfant, roi et soldat. Grâce aux objets qui ont fait partie de sa vie et au génie de la science moderne, une nouvelle théorie voit le jour. Il serait mort tragiquement des suites d'un accident. Je rends une dernière visite à Zahi Hawass pour lui soumettre cette idée. J'ai appris beaucoup de choses sur lui. Résoudre l'énigme de Toutankhamon. Et de son univers. Vous savez, les courses de charge, je peux vous en parler. On sait que c'est un soldat. On sait qu'il commande une armée. On sait que c'est un chasseur. Un chasseur. Il a 18 ans, c'est ça? 19 ans? Il est probablement très viril. Il fait des choses que moi, je ne pourrais plus faire maintenant. Et c'est peut-être ce qui l'a précipité vers la mort. Il était peut-être en train de chasser en même temps qu'il conduisait son char. Ou dans une bataille, il a pu être éjecté. Mais cette fracture est très nette. Et je crois que c'est une infection ou un choc qui a eu raison de lui. À l'âge de 19 ans, le jeune roi d'Égypte Toutankhamon meurt soudainement. Apparemment des complications d'une blessure dévastatrice. Le fémur gauche est brisé juste au-dessus du genou. Tous les indices pointent vers un accident de char. Des profondeurs du tombeau de Toutankhamon à son terrain d'entraînement militaire, les rumeurs de son assassinat se sont tues. Le mystère s'est enfin dissipé. Sur les bords du Nil, il y a plus de 3000 ans,
que vivait le pharaon dont la vie s'est brusquement arrêtée. Les archéologues lui donnent le nom grec de Thèbes, mais au temps de Toutankhamon, la ville s'appelait Ouasset. C'est là qu'il vivait. Pour les Égyptiens du temps des pharaons, le Nil était le symbole de la vie. L'Est, là où le soleil se lève, représentait la naissance. Et l'Ouest, là où il se couche, représentait la mort. Je vais suivre le Nil et effectuer le chemin du dernier voyage du pharaon. Direction Ouest, la vallée des rois. Les premiers indices sur la mort mystérieuse de Toutankhamon commencent ici. S'il y a une personne capable de m'aider à faire la lumière sur cette histoire, c'est bien le professeur Zahi Hawass. Bonjour Zahi. Bonjour Josh. Cette fois, je viens pour l'enfant roi. Oui. Il est ici, dans la vallée des rois? Pourquoi ici? Parce que cet endroit est calme et sûr. C'est mieux si on veut cacher une tombe. Et puis, la montagne est en forme de pyramide. Ils ont décidé que cet endroit abriterait les tombeaux de tous les pharaons du Nouvel Empire. Toutankhamon était l'un d'eux. On va voir sa tombe? Allons-y. Du temps de Toutankhamon, les pharaons ne construisaient plus de pyramides pour abriter leurs tombes. Ils creusaient des tunnels et des chambres funéraires dans des montagnes de forme pyramidale. En 1917, Howard Carter, un archéologue britannique, arrive dans cette vallée. Après des fouilles infructueuses, il s'attaque au soubassement de la montagne. En 4 années, Carter ne fait aucune découverte. C'est pourquoi il reçoit un ultimatum. Lord Carnarvon, un riche aristocrate anglais, finance les fouilles. Après des négociations, Carter le convainc de poursuivre les fouilles pendant 1 année encore. Et c'est justement durant cette année que la découverte la plus importante de l'histoire de l'archéologie a eu lieu. On peut entrer ? Bien sûr. J'ai apporté des lampes torches. Bien. Le 26 novembre 1922, Carter et Carnarvon empruntent ces escaliers pour la première fois. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre tout au long de mes investigations qui portent sur l'une des plus grandes énigmes de l'âge antique, la mort du pharaon Toutankhamon. Dès l'instant où sa momie a été découverte, les rumeurs d'un crime ont circulé. Un examen en rayon X a révélé les signes d'une possible agression. À ce jour, de nouvelles preuves apparaissent. Elles remettent en cause la piste criminelle. Quelle vérité se cache derrière le destin tragique du roi Toutankhamon? Pour découvrir la... Ce sont les marches que Carter a descendues. Oui. Rien n'a changé depuis. Arrivé en bas, Carter creuse un trou dans la porte d'entrée de la tombe. Et là, il contemple un trésor d'une richesse inestimable. Pendant qu'il regarde à l'intérieur, Lord Carnarvon lui demande « Que voyez-vous ? » Il a répondu quoi ? « Des choses merveilleuses, des choses merveilleuses !» De l'autre côté se trouve un trésor de plus de 5000 objets. C'est le plus grand et le plus ancien trésor au monde. Le tout regroupé dans quelques petites pièces. En face de la porte d'entrée de la tombe se trouve l'entrée de la première pièce appelée antichambre. Aujourd'hui, elle est vide et fermée au public. Je ne suis jamais allé dans la chambre du trésor, ni dans l'annexe avec une équipe de tournage. C'est une exclusivité alors? C'est la première fois. Une exclusivité pour vous. Mais il faut que tu saches une chose. Imagine-toi cette pièce remplie d'or. D'or?
objet en or, enseveli dans ça de terre qu'il a... La vérité, je vais me rendre dans le tombeau où sa momie repose encore aujourd'hui. Je vais essayer. Je vais tester les armes retrouvées dans sa tombe. Et grâce aux prouesses de la science moderne, je vais vérifier la thèse du meurtre. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Ce que nous voyons derrière cette vitrine est le masque funéraire du pharaon Toutankhamon. C'est un véritable chef-d'œuvre de talent et de savoir-faire. 11 kilos d'or pur, recouverts de pierres précieuses et de pierreries. Derrière ce masque se trouvait le visage momifié d'un jeune homme de 19 ans. Je m'appelle Josh Bernstein. Je suis ici en Égypte car il y a eu récemment de nouvelles découvertes concernant la mort énigmatique de Toutankhamon, l'enfant roi. Je commence mes recherches à Louxor, qui se trouve à 700 km au sud du Caire, la capitale du pays. C'est là, dans cette ville antique... Aujourd'hui, je vous invite à me suivre tout au long de mes investigations qui portent sur l'une des plus grandes énigmes de l'âge antique, la mort du pharaon Toutankhamon. Dès l'instant où sa momie a été découverte, les rumeurs d'un crime ont circulé. Un examen au rayon X a révélé les signes d'une possible agression. À ce jour, de nouvelles preuves apparaissent. Elles remettent en cause la piste criminelle. Quelle vérité se cache derrière le destin tragique du roi Toutankhamon ? Pour découvrir la vérité, je vais me rendre dans le tombeau où sa momie repose encore aujourd'hui. Je vais essayer. Je vais tester les armes retrouvées dans sa tombe. Et grâce aux prouesses de la science moderne, je vais vérifier la thèse du meurtre. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Ce que nous voyons derrière cette vitrine est le masque funéraire du pharaon Toutankhamon. C'est un véritable chef-d'œuvre de talent et de savoir-faire. 11 kilos d'or pur, recouverts de pierres précieuses et de pierreries. Derrière ce masque se trouvait le visage momifié d'un jeune homme de 19 ans. Je m'appelle Josh Bernstein. Je suis ici en Égypte car il y a eu récemment de nouvelles découvertes concernant la mort énigmatique de Toutankhamon, l'enfant roi. Je commence mes recherches à Louxor, qui se trouve à 700 km au sud du Caire, la capitale du pays. C'est là, dans cette ville antique sur les bords du Nil, il y a plus de 3000 ans, que vivait le pharaon dont la vie s'est brusquement arrêtée. Les archéologues lui donnent le nom grec de Thèbes, mais au temps de Toutankhamon, la ville s'appelait Ouasset. C'est là qu'il vivait. Pour les Égyptiens du temps des pharaons, le Nil était le symbole de la vie. L'Est, là où le soleil se lève, représentait la naissance. Et l'Ouest, là où il se couche, représentait la mort. Je vais suivre le Nil et effectuer le chemin du dernier voyage du pharaon. Direction Ouest, la vallée des rois. Les premiers indices sur la mort mystérieuse de Toutankhamon commencent ici. S'il y a une personne capable de m'aider à faire la lumière sur cette histoire, c'est bien le professeur Zahi Hawass.
Bonjour Zahi. Bonjour Josh. Cette fois je viens pour l'enfant roi. Oui. Il est ici dans la vallée des rois? Pourquoi ici? Parce que cet endroit est calme et sûr. C'est mieux si on veut cacher une tombe. Et puis la montagne est en forme de pyramide. Ils ont décidé que cet endroit abriterait les tombeaux de tous les pharaons du Nouvel Empire. Toutankhamon était l'un d'eux. On va voir sa tombe? Allons-y. Du temps de Toutankhamon, les pharaons ne construisaient plus de pyramides pour abriter leurs tombes. Ils creusaient des tunnels et des chambres funéraires dans des montagnes de forme pyramidale. En 1917, Howard Carter, un archéologue britannique, arrive dans cette vallée. Après des fouilles infructueuses, il s'attaque au soubassement de la montagne. En 4 années, Carter ne fait aucune découverte. C'est pourquoi il reçoit un ultimatum. Lord Carnarvon, un riche aristocrate anglais, finance les fouilles. Après des négociations, Carter le convainc de poursuivre les fouilles pendant 1 année encore. Et c'est justement durant cette année que la découverte la plus importante de l'histoire de l'archéologie a eu lieu. On peut entrer ? Bien sûr. J'ai apporté des lampes torches. Bien. Vous m'avez fait venir, pourquoi ? Je voudrais vous présenter Toutankhamon, qui est juste là. Cette statue a traversé les âges, mais elle est très abîmée. C'est la preuve que l'enfant roi a laissé son empreinte à Karnak. Mais apparemment, son nom a été effacé. Il y a des cartouches de Toutankhamon ? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pratiquement pas de traces de lui. Et quand il y en a, son cartouche est effacée. Vraiment? Oui. Pas de traces? Rien. Il a été frappé d'anathème. Il a été damné, sa mémoire a été damnée, car elle était souillée par l'hérésie amarnienne. Oui, je connais cette histoire. La révolution d'Amarna et le culte d'Aton. Oui. Il y a quelque temps, j'ai visité les ruines d'une ville antique appelée Amarna. À l'intérieur d'un tombeau se trouvent les signes de ce qui a provoqué une révolution religieuse. J'apprends aujourd'hui qu'elle a eu un impact sur le règne de Toutankhamon. La cause de tout est cette image qui représente un dieu, le dieu Aton, qui signifie disque solaire. Le prédécesseur de Toutankhamon, le roi Akhenaton, impose le culte d'Aton. Il force les Égyptiens à vénérer ce dieu unique. L'accès au temple des autres dieux est défendu. Mais une résistance s'organise et le pays connaît une véritable crise. Donald Redford m'explique que le jeune roi réussit à stopper la révolution. Pour certains, ce serait la cause de son élimination. Est-ce qu'il a mis fin au culte imposé par Akhenaton ? 3 ans après le début de son règne, et probablement sur les conseils de ses mentors, il a mis en place un programme de réouverture des anciens temples, les temples des dieux. Si j'ai bien compris, quand Toutankhamon a pris ses fonctions, l'Égypte était en désordre. Oui, absolument. Des problèmes d'argent. C'est exact. Pour redonner au pays un semblant d'ordre, il a tiré un trait sur Amarna et Aton, le disque solaire. Oui. Il a remis l'ancien système en place, celui qui existait avant la fermeture des temples par Akhenaton. D'accord. Le jeune roi a fait preuve de beaucoup de maturité. Oui, mais il avait des mentors qui n'étaient pas sur le devant de la scène. Qui attendaient la fin de la religion d'Akhenaton. Oui, ils l'ont encouragé dans ce sens. Avec l'étroite collaboration de ses conseillers, Toutankhamon réussit à renverser la situation dont il a hérité. Pour certains historiens, c'est le signe d'une politique forte. Pour d'autres, Toutankhamon a suivi le plan conçu par d'autres. Peut-être qu'il y a plus ou moins été forcé. Oui, il était jeune, il fallait satisfaire le peuple, les conseillers aussi. C'est vrai. Et puis il était malléable. Je veux dire, ce n'était qu'un enfant. Lorsque des archéologues font des découvertes sur la période amarnienne et sa chute précipitée par Toutankhamon, l'hypothèse d'un assassinat commence à circuler. Les principaux suspects sont des membres de sa cour. Le suspect numéro 1 s'appelle Horemheb. Il est le chef militaire et le conseiller de Toutankhamon. Il est aussi prétendant au trône. Après la mort de Toutankhamon, il veillera à ce que son nom soit effacé de tous les édifices d'Égypte. Le deuxième suspect s'appelle Aya, le conseiller politique du jeune roi. Pendant le règne d'Akhenaton, il avait accédé à de très hautes fonctions. Après la mort de Toutankhamon, il lui succédera sur le trône.
Ces deux hommes avaient un intérêt à ce qu'ils disparaissent ou à ce qu'ils soient assassinés. Dans un instant, les égyptologues vont soumettre la momie au rayon X grâce à un appareil de scanographie ultra puissant. Le roi a-t-il été assassiné ou était-ce un accident? J'essaie de percer le mystère qui entoure la mort du pharaon Toutankhamon. J'ai pu voir le cercueil qui contient toujours sa dépouille. J'ai découvert qu'il avait fait face à des problèmes politiques et religieux. Mais a-t-il été vraiment assassiné? Il est temps pour moi de retrouver l'incontournable Zahi Hawass, qui est expert en la matière. Nous allons parler de Toutankhamon. Assieds-toi. D'accord. Moi, je vais m'asseoir ici et te raconter tout ce que je sais sur lui. Très bien. Tu sais, la momie a été passée deux fois au rayon X et on a dit que Toutankhamon avait été assassiné. Oui, j'ai creusé cette idée. Vraiment? Peut-être pour des raisons politiques, Horemheb. Oui. Le crâne de Toutankhamon a été radiographié deux fois. L'image a montré une cavité à la base du crâne. Pour les archéologues, ce trou, c'était la preuve qu'ils cherchaient. La théorie selon laquelle il serait mort suite à une agression et à... Le 26 novembre 1922, Carter et Carnavon empruntent ces escaliers pour la première fois. Ce sont les marches que Carter a descendues. Oui. Rien n'a changé depuis. Arrivé en bas, Carter creuse un trou dans la porte d'entrée de la tombe. Et là, il contemple un trésor d'une richesse inestimable. Pendant qu'il regarde à l'intérieur, Lord Carnarvon lui demande « Que voyez-vous ?» Il a répondu quoi ? « Des choses merveilleuses, des choses merveilleuses !» De l'autre côté se trouve un trésor de plus de 5000 objets. C'est le plus grand et le plus ancien trésor au monde. Le tout regroupé dans quelques petites pièces. En face de la porte d'entrée de la tombe se trouve l'entrée de la première pièce appelée antichambre. Aujourd'hui, elle est vide et fermée au public. Je ne suis jamais allé dans la chambre du trésor, ni dans l'annexe avec une équipe de tournage. C'est une exclusivité alors? C'est la première fois. Une exclusivité pour vous. Mais il faut que tu saches une chose. Imagine-toi cette pièce remplie d'or. D'or? D'objets en or, ensevelis dans ça de terre qu'il a fallu dégager lors des fouilles. C'est ici qu'il y avait la plupart des objets. Adjacente à la chambre funéraire, il y a une autre petite pièce qui contient toujours des reliques datant de l'époque des pharaons. C'est la chambre du trésor. Ces choses-là font partie du tombeau? Oui, on a laissé ça ici. Regarde, il y a des hiéroglyphes dessus. Ouais. Il n'y a plus du tout d'or ici. Tu peux toucher. C'est génial. Je touche le passé. C'était comment ici avant? Eh bien, qu'est-ce qu'il y avait? Dans la chambre du trésor, il y avait des chapelles, de l'or, des statues. C'est l'endroit où il y avait le plus d'objets précieux. Je pense qu'il n'y a pas de plus grand trésor au monde. Des objets précieux étaient entassés dans la chambre du trésor et dans l'annexe, juste à côté de la chambre funéraire de Toutankhamon. C'est le plus grand trésor archéologique jamais découvert. Oui. Regarde, Josh. Regarde ce visage. Le sarcophage en or du roi, tel qu'il a été découvert, est intact. L'identité de ce roi, ainsi que son histoire, éveille immédiatement l'intérêt des archéologues. Celui qui s'approche se fait mordre par le cobra. Ce beau visage n'est pas celui d'un vieux sage, mais celui d'un jeune homme. Le trésor est entassé dans une tombe trop petite pour un pharaon. La plupart du temps, le tombeau du roi est construit là où il a vécu et régné. C'était une importante construction qui pouvait compter plus de 100 pièces. Mais le tombeau de Toutankhamon n'a que 4 pièces. Les travaux avaient commencé depuis peu. Cela prouve que sa mort est arrivée par surprise. Il est mort brutalement. C'est tout ce qu'ils ont pu faire en si peu de temps. Quand Toutankhamon est mort, il fallait faire les choses très vite. Des peintures murales simples, dépourvues de sculptures ornementales,
indique que la chambre funéraire a été réalisée à la hâte. Regarde cette scène. Elle montre le roi Toutankhamon reposant dans sa chapelle. Et les personnages là, c'est la procession funéraire. Ils emmènent la momie dans la tombe. Et maintenant, regarde ceci. Autour du sarcophage, les scènes racontent le passage du roi dans l'éternité. Pour les Égyptiens et leurs croyances, ces peintures devaient obligatoirement figurer dans le tombeau du pharaon. Mais généralement, elles sont beaucoup plus élaborées. Les archéologues comprennent qu'il s'agit d'un jeune roi, mort prématurément et dont la tombe a été préparée à la hâte. Mais quelques mois après l'ouverture du tombeau et après le décès de Lord Carnarvon, le financier des fouilles, une rumeur bizarre commence à circuler. Le tombeau du pharaon Toutankhamon serait maudit. La presse de l'époque en fait une légende de renommée internationale. D'autres personnes meurent en Égypte et hors d'Égypte. Elles sont toutes mises sur le compte de la malédiction du roi. Cette fascinante histoire fait le tour du monde. La légende de la malédiction de la momie est née. Est-ce que vous pensez que cet endroit est envoûté ? Tu sais, la découverte du tombeau et tout ce qui s'est passé autour à cette époque... Contrairement aux autres civilisations anciennes, les Égyptiens sont des écrivains prolifiques, surtout à l'époque de Toutankhamon. Peut-être que quelque chose est écrit sur un papyrus ou gravé sur une pierre. Mon amie Salima Ikram est experte en écriture et langage égyptien. Elle est d'accord pour me donner un cours d'écriture accéléré. Elle va m'apprendre comment les Égyptiens ont retranscrit l'histoire des pharaons. Ravi de vous voir. Oui. C'est ici que nous allons. D'accord. C'est dans la banlieue du Caire que Salima a installé son atelier d'écriture de hiéroglyphes. La vue de mon bureau est pas mal, mais là... La leçon commence par le papyrus. Et ça, c'est un Cyprus papyrus. À l'époque, ils utilisaient cette plante ? Oui, ils utilisaient seulement cette plante jusqu'au 11e siècle. Pour commencer, il faut couper la tige. 2000 ans avant le règne de Toutankhamon, les Égyptiens faisaient ces mêmes gestes. Ils coupaient la tige, puis ils trempaient les morceaux dans l'eau. Il faut les laisser tremper. On les laisse tremper plusieurs jours. Ils se gorgent d'eau et deviennent marrons ? Oui, et ils ramollissent aussi. Étape suivante. Oui. Essorez-le. J'ai compris. J'ai l'impression de faire de la cuisine. Je remets ça en place. Aujourd'hui, nous allons cuisiner du papyrus. Heureusement pour nous, le pharaon n'est pas là pour nous juger. Je vois. Une fois que les morceaux de papyrus ont fini de tremper, les bandes essorées sont aplaties, frappées et laissées dans un tissu pour le séchage. Voyons le résultat. Allez-y. Vous avez vu ? Montrez-moi comment on écrit sur du papyrus. Bien sûr. C'est de l'ocre. À l'époque, les Égyptiens utilisent des couleurs naturelles comme l'ocre et le charbon. L'écriture hiéroglyphique est un des premiers systèmes d'écriture de l'histoire de l'humanité. Comment l'écriture hiéroglyphique a-t-elle évolué dans le temps ? Au départ, il n'y avait que des symboles. Ensuite, l'écriture s'est organisée et a donné le langage hiéroglyphique avec des phonèmes. Et voilà. Vous connaissez un signe ? Le signe Ankh est facile. Ankh ? Ankh. Ah oui, je connais. Allez-y. C'est comme ça que faisaient les scribes. C'est le Ankh de Toutankhamon. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas ? Ankh, c'est la vie. Mm-hmm. Toutankhamon veut dire l'être vivant d'Amon. Oui. Vraiment ? La manifestation vivante d'Amon. On dirait que la brosse est trop grosse. On identifie un texte de Toutankhamon grâce à son cartouche. Le nom du roi est gravé sur les monuments et les constructions qui lui appartiennent. Il est inscrit dans la pierre pour l'éternité. C'est très intéressant, mais d'après ce que je vois là, il y a une autre façon d'écrire un texte. Oui, les textes les plus importants figurent sur les murs des monuments et des temples, et donc sur la pierre. Le résultat est très beau, mais ça prend beaucoup plus de temps. Là, on peut lire Amon, ici Toutankh, et ça, c'est quoi ? En fait, c'est le nom complet du roi, c'est-à-dire Toutankhamon, Hekayunushema.
Si quelqu'un voulait envoyer un message, il l'écrivait... Sur du papyrus? Sur du papyrus. C'était le courriel de l'époque. Oui, si on veut. Mais pour un texte officiel ou quand le roi voulait faire passer un message, c'était gravé dans la pierre. Oui, quand le roi voulait écrire un texte officiel sur un temple ou transmettre une bataille victorieuse à la postérité, c'était gravé dans la pierre. Pour célébrer un événement important, c'était gravé dans la pierre parce que c'est durable dans le temps. C'était écrit une seule fois, mais pour l'éternité. À partir de ces signes, l'écriture égyptienne évolue en un système complexe. Les pharaons de l'Égypte antique ont laissé de nombreux témoignages dans tout le pays. Ils aimaient laisser leurs empreintes, et je sais que l'endroit qu'ils affectionnaient tout particulièrement se trouve au sud du Caire. Retour vers le site de Louxor. Les temples de Karnak. Il s'agit du plus grand complexe religieux du monde. Ici, les pharaons n'ont pas hésité à laisser leur marque. Il n'y a donc pas meilleur endroit pour chercher des informations sur la vie et la mort de Toutankhamon. Je veux localiser le cartouche de Toutankhamon. Pour m'aider à le trouver, je rencontre le professeur Donald Redford. Monsieur Redford? Oui. Josh. Bonjour, Josh. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. A de quoi envoûter quelqu'un. Et ça a été mon cas. Il y a un mystère qui entoure ce roi. Un mystère et une magie. De nos jours, plus personne ne croit en cette malédiction. En revanche, l'énigme sur les conditions de la mort de l'enfant roi grandit. Pour continuer mes recherches, je quitte l'enceinte du tombeau. Je me rends au musée égyptien du Caire, sûr d'y récolter des informations, car c'est là que le trésor de Toutankhamon est conservé. C'est l'un de mes musées préférés. La momie de Toutankhamon ne reposait pas dans un sarcophage. Nous avons vu celui qui se trouve dans le tombeau, mais dans trois sarcophages. Le premier contenait le deuxième, qui contenait le troisième. À l'intérieur du troisième reposait la momie du jeune roi, dont la tête et les épaules étaient recouvertes par l'éblouissant masque d'or. Pour avoir une idée des objets qui font partie du trésor, Madame Wafa El Sadik, la directrice du musée, a accepté de m'aider. C'est vrai que c'est magnifique, mais pourquoi l'or est si important? Eh bien, l'or est la couleur des dieux. Donc, en mourant, il devient un dieu. Il ne s'agit pas d'une fin, mais du commencement d'une vie éternelle. Je vous suis. Pour le peuple de l'Égypte antique, Toutankhamon est devenu un dieu. Son corps est paré d'objets précieux qui symbolisent le changement de son état. Ces objets ont vocation à le protéger dans sa nouvelle vie. Encore des bijoux? Oui, ce sont ceux qui étaient sur la momie. Les couches successives qui abritaient la momie étaient décorées de joyaux symboliques, comme le scarabée, le cobra ou le vautour. Là, qu'est-ce que c'est? Après les bijoux, la directrice du musée me montre des objets très intéressants. Il s'agit de gants et de sandales. Il y a des tailles pour enfants et des tailles pour adultes. Les archéologues font la déduction suivante. Toutankhamon est probablement devenu roi vers l'âge de 10 ans. Au cours de son règne, l'enfant roi devient un jeune adulte. Depuis son trône, le souverain gouverne la civilisation la plus avancée de l'époque. Voici le fameux trône de Toutankhamon. On le voit ici sur un trône, qui n'est pas celui-là, avec sa femme qui le parfume. Quelques détails de la vie intime du jeune homme nous sont parvenus grâce aux objets du tombeau. On sait par exemple que sa femme était sa sœur ou sa demi-sœur. Et que leurs deux enfants sont morts après leur naissance. Nous avons de plus en plus d'informations sur la vie du roi. Mais nous ne savons toujours pas ce qui a entraîné sa mort. Pour trouver une explication, je dois bien sûr examiner son trésor, mais je dois aussi étendre mes recherches aux autres objets de cette époque. Dans une partie fréquentée du musée, Madame Wafa me montre justement une stèle qui remonte à Toutankhamon. À mon avis, c'est le document le plus important.
Cette stèle nous donne des renseignements sur la situation de l'époque. C'est un témoignage. Exactement. Il y est dit, je crois, nos temples sont abandonnés, nos dieux ne sont pas vénérés, nos prêtres n'officient plus. C'est ce qui est écrit, je crois. Oui, en effet, elle parle des temples. La stèle de la restauration n'évoque pas la mort du pharaon. Mais elle nous apprend que pendant son règne, l'Égypte était en crise. Toutankhamon a de graves problèmes à résoudre. Cette stèle est plus importante que l'or et l'argent et tous les objets précieux. Vraiment ? Oui, bien sûr. De tous les trésors qu'on a vus, c'est le plus important ? On a eu la chance de trouver ce texte. Pour moi, ça a plus de valeur que l'or. C'est à cause des informations ? C'est de l'histoire. Pour moi, ça signifie que j'ai une nouvelle piste à explorer. Je pourrais peut-être résoudre l'énigme en étudiant les textes qui nous ont été laissés par les scribes et les pharaons. Dans un instant, je reproduirai le nom du roi Toutankhamon. Puis j'essaierai de comprendre pourquoi tout a été fait pour l'effacer de l'histoire. J'essaie de faire la lumière sur un mystère très ancien, la mort de Toutankhamon. J'ai quitté la ville du pharaon et suivi le Nil pour visiter sa tombe. Je vais m'intéresser à l'écriture égyptienne et peut-être découvrir une nouvelle piste. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre tout au long de mes investigations qui portent sur l'une des plus grandes énigmes de l'âge antique, la mort du pharaon Toutankhamon. Dès l'instant où sa momie a été découverte, les rumeurs d'un crime ont circulé. Un examen en rayon X a révélé les signes d'une possible agression. À ce jour, de nouvelles preuves apparaissent. Elles remettent en cause la piste criminelle. Quelle vérité se cache derrière le destin tragique du roi Toutankhamon ? Pour découvrir la vérité, je vais me rendre dans le tombeau où sa momie repose encore aujourd'hui. Je vais essayer. Je vais tester les armes retrouvées dans sa tombe. Et grâce aux prouesses de la science moderne, je vais vérifier la thèse du meurtre. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. Ce que nous voyons derrière cette vitrine est le masque funéraire du pharaon Toutankhamon. C'est un véritable chef-d'œuvre de talent et de savoir-faire. 11 kilos d'or pur, recouverts de pierres précieuses et de pierreries. Derrière ce masque se trouvait le visage momifié d'un jeune homme de 19 ans. Je m'appelle Josh Bernstein. Je suis ici en Égypte car il y a eu récemment de nouvelles découvertes concernant la mort énigmatique de Toutankhamon, l'enfant roi. Je commence mes recherches à Louxor, qui se trouve à 700 km au sud du Caire, la capitale du pays. C'est là, dans cette ville antique sur les bords du Nil, il y a plus de 3000 ans, que vivait le pharaon dont la vie s'est brusquement arrêtée. Les archéologues lui donnent le nom grec de Thèbes, mais au temps de Toutankhamon, la ville s'appelait Wasset. C'est là qu'il vivait. Pour les Égyptiens du temps des pharaons, le Nil était le symbole de la vie. L'Est, là où le soleil se lève, représentait la naissance. Et l'Ouest, là où il se couche, représentait la mort. Je vais suivre le Nil et effectuer le chemin du dernier voyage du pharaon. Direction Ouest, la vallée des rois. «
Les premiers indices sur la mort mystérieuse de Toutankhamon commencent ici. S'il y a une personne capable de m'aider à faire la lumière sur cette histoire, c'est bien le professeur Zahi Hawass. Bonjour Zahi. Bonjour Josh. Cette fois, je viens pour l'enfant roi. Oui. Il est ici, dans la vallée des rois? Pourquoi ici? Parce que cet endroit est calme et sûr. C'est mieux si on veut cacher une tombe. Et puis, la montagne est en forme de pyramide. Ils ont décidé que cet endroit abriterait les tombeaux de tous les pharaons du Nouvel Empire. Toutankhamon était l'un d'eux. On va voir sa tombe? Allons-y. Du temps de Toutankhamon, les pharaons ne construisaient plus de pyramides pour abriter leurs tombes. Ils creusaient des tunnels et des chambres funéraires dans des montagnes de forme pyramidale. En 1917, Howard Carter, un archéologue britannique, arrive dans cette vallée. Après des fouilles infructueuses, il s'attaque au soubassement de la montagne. En 4 années, Carter ne fait aucune découverte. C'est pourquoi il reçoit un ultimatum. Lord Carnarvon, un riche aristocrate anglais, finance les fouilles. Après des négociations, Carter le convainc de poursuivre les fouilles pendant 1 année encore. Et c'est justement durant cette année que la découverte la plus importante de l'histoire de l'archéologie a eu lieu. On peut entrer ? Bien sûr. J'ai apporté des lampes torches. Bien. Le 26 novembre 1922, Carter et Carnarvon empruntent ces escaliers pour la première fois. Ce sont les marches que Carter a descendues. Oui. Rien n'a changé depuis. Arrivé en bas, Carter creuse un trou dans la porte d'entrée de la tombe. Et là, il contemple un trésor d'une richesse inestimable. Pendant qu'il regarde à l'intérieur, Lord Carnarvon lui demande « Que voyez-vous ?» Il a répondu quoi ? « Des choses merveilleuses, des choses merveilleuses !» De l'autre côté se trouve un trésor de plus de 5000 objets. C'est le plus grand et le plus ancien trésor au monde. Le tout regroupé dans quelques petites pièces. En face de la porte d'entrée de la tombe se trouve l'entrée de la première pièce appelée antichambre. Aujourd'hui, elle est vide et fermée au public. Je ne suis jamais allé dans la chambre du trésor, ni dans l'annexe avec une équipe de tournage. C'est une exclusivité alors? C'est la première fois. Une exclusivité pour vous. Mais il faut que tu saches une chose. Imagine-toi cette pièce remplie d'or. D'or? D'objets en or, ensevelis dans ça de terre qu'il a fallu dégager lors des fouilles. C'est ici qu'il y avait la plupart des objets. Adjacente à la chambre funéraire, il y a une autre petite pièce qui contient toujours des reliques datant de l'époque des pharaons. C'est la chambre du trésor. Ces choses-là font partie du tombeau ? Oui, on a laissé ça ici. Regarde, il y a des hiéroglyphes dessus. Ouais. Il n'y a plus du tout d'or ici. Tu peux toucher. C'est génial. Je touche le passé. C'était comment ici avant ? Eh bien, il s'agit d'une lésion grave ? C'est une lésion grave. C'est grave. Le trauma est important. D'après ce que je sais, le fémur ne se casse pas facilement. Non, en effet. C'est un des os les plus solides du corps. Et il est recouvert par les muscles. Il ne casse pas facilement. Une telle blessure peut-elle être mortelle ? En général, les fractures ne sont pas mortelles. Mais si le trauma est important, il peut y avoir des complications. Il y a un risque d'hémorragie, d'une importante hémorragie et un risque d'infection. Il a dû se passer beaucoup de temps avant qu'il reçoive des soins médicaux. Ça a dû être un choc très important, comme s'il avait cogné contre quelque chose, ou comme s'il avait été frappé avec un objet dur, ou comme s'il était tombé d'une certaine hauteur, d'un cheval, par exemple. Est-ce qu'il est possible, je sais que c'est l'un de vos centres d'intérêt, est-ce qu'il est possible de remonter le temps et de me montrer comment la médecine était pratiquée dans l'Égypte antique ? Oui, on peut faire ça. Allons dans la salle de consultation, je vais vous montrer. Oui, d'accord. Je suis Toutankhamon. Vous êtes Toutankhamon. D'accord. Et vous êtes le médecin du roi. Le Sounou, le médecin du roi. D'accord. Les médecins du pharaon sont de fervents observateurs de la nature. C'est dans la nature qu'ils trouvent leurs remèdes et médicaments avec lesquels ils auraient pu sauver la vie du roi.
Je ne me sens pas très bien. Je ne me sens pas très bien. Il faut d'abord arrêter l'hémorragie. D'accord. Pour arrêter les saignements, de la viande crue. Voilà, un morceau de viande. On l'applique et on appuie dessus. C'est froid. L'écorce de saule est utilisée comme antidouleur. La salicine. Je le sais, c'est le premier composant de l'aspirine. Mais ce qui menace Toutankhamon qui souffre d'une blessure ouverte et d'une fracture de la jambe gauche, c'est une infection. Je peux utiliser ça pour dessiner la blessure ? J'en ai pour une seconde. Quand je forme des secouristes pour les aider à visualiser le type de blessure qu'ils risquent de voir en vrai, on les dessine. En vrai, ce serait pire. Nous allons appliquer du miel qui est ce que nous appelons hygroscopique, parce qu'il absorbe l'eau. L'eau est absorbée. L'eau est absorbée. Et du coup, ça tue tous les organismes. C'est juste du miel ? Oui, vous pouvez goûter si vous voulez. C'est du miel. En fait, le miel est stérile, c'est ça, non ? Stérile. Le miel est stérile et donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'organismes qui peuvent se développer dans le miel. Si les micro-organismes ne peuvent pas se développer dans le miel, alors une infection non plus. Ils avaient de la pénicilline ? Oui. Le miel était un antibiotique, tout comme le pain moisi. Ne vous inquiétez pas, c'est un antibiotique. D'accord. Mais avant de mettre ça sur ma jambe, je veux le regarder pour vraiment bien l'apprécier. C'est du pain moisi. De la pita, non ? Le pain arabe. De la pénicilline. Et du miel. Avec tout ça, aucun microbe ne peut passer. C'est ça. Tout va bien. Dans l'Égypte ancienne, l'infection est un grand sujet de préoccupation pour les médecins. Ils ont découvert de nombreux moyens de prévention. En le pressant, vous aurez du jus. On a découvert que dans l'ail et l'oignon, il y a une substance spéciale, comme un antibiotique. Vous voulez bien m'en donner un ? Une moitié ? Voilà comment on fait un jus d'oignon. Mon genou va avoir l'odeur la plus incroyable de tous les temps. Vous croyez que je survivrai ? Oh oui. D'accord. Entre la viande, la moisissure, l'écorce de saule, le miel, la médecine de l'Égypte antique est très avancée pour l'époque. Seulement voilà, le roi est mort. Je me pose des questions parce que pour moi, le pharaon avait une vie très protégée. Il avait des serviteurs, des courtisans, des gens qui étaient là pour exécuter ses ordres. Nous savons qu'il a été gravement blessé. Le fémur ne se casse pas facilement. Et puis, on n'en meurt pas. Mais après tout, peut-être que le roi n'était pas si bien protégé. Je me demande ce qu'il a rendu vulnérable. Dans un instant, je vais m'approcher des circonstances de la mort de Toutankhamon grâce aux armes qu'il utilisait. Je vais apprendre en quoi consistait l'entraînement militaire du pharaon. J'essaie de résoudre l'énigme qui plane autour de la mort de Toutankhamon. J'ai vérifié la rumeur de son assassinat. Et j'ai découvert qu'une jambe cassée pourrait en être la cause. Pour comprendre les circonstances de cet accident, je dois mieux connaître sa vie. C'est pourquoi je retourne au musée égyptien. Madame Wafa El Sadik, la directrice du musée, me parle cette fois-ci du roi en tant que soldat. De quoi parle cette scène ? Cette scène montre Toutankhamon sur son char, attelé à de magnifiques chevaux. Sur ce célèbre coffre, il est représenté à la guerre, se battant sur son char. Après avoir inventorié et étudié les objets du trésor, les égyptologues constatent que non seulement il remplissait sa fonction de roi, mais aussi celle de chef militaire accompli. Ce sont les arcs de Toutankhamon ? Oui, ce sont ces arcs. Il y en a beaucoup ? Oui, et il y a également beaucoup de flèches. Là, ce sont les cordes, et là, ça ressemble à des frondes. Il aimait probablement le tir à l'arc. Une grande quantité d'armes fait partie du trésor de Toutankhamon, plus de 50 arcs. Il y a de nombreuses flèches ? Oui. Et 400 flèches. Mais le plus remarquable est ce char. Le roi a été inhumé avec 6 chars de ce genre. Mais celui-là est trouvé dans un état absolument parfait. Il est recouvert d'or. Nous avons toutes les pièces de ce char. On peut imaginer qu'avec ce char, tiré par ses 2 chevaux, il est allé à une cérémonie ou qu'il a fait du tir à l'arc, et pourquoi pas les 2 ? Oui.
Toutankhamon aurait été initié à l'art de la guerre dès son plus jeune âge. Sa tombe était remplie d'armes de l'Égypte ancienne et certains éléments prouvent qu'elles lui ont tout appartenu. En tant que pharaon, Toutankhamon était le commandant de l'armée égyptienne. C'est peut-être l'entraînement militaire ou sa présence sur un champ de bataille qui est à l'origine de sa mort prématurée. Dans le désert, sur un terrain où le roi s'est peut-être défendu. Mais une résistance s'organise et le pays connaît une véritable crise. Donald Redford m'explique que le jeune roi réussit à stopper la révolution. Pour certains, ce serait la cause de son élimination. Est-ce qu'il a mis fin au culte imposé par Akhenaton ? 3 ans après le début de son règne, et probablement sur les conseils de ses mentors, il a mis en place un programme de réouverture des anciens temples, les temples des dieux. Si j'ai bien compris, quand Toutankhamon a pris ses fonctions, l'Égypte était en désordre. Oui, absolument. Des problèmes d'argent. C'est exact. Pour redonner au pays un semblant d'ordre, il a tiré un trait sur Amarna et Aton, le disque solaire. Oui. Il a remis l'ancien système en place, celui qui existait avant la fermeture des temples par Akhenaton. D'accord. Le jeune roi a fait preuve de beaucoup de maturité. Oui, mais il avait des mentors qui n'étaient pas sur le devant de la scène. Qui attendaient la fin de la religion d'Akhenaton. Oui, ils l'ont encouragé dans ce sens. Avec l'étroite collaboration de ses conseillers, Toutankhamon réussit à renverser la situation dont il a hérité. Pour certains historiens, c'est le signe d'une politique forte. Pour d'autres, Toutankhamon a suivi le plan conçu par d'autres. Peut-être qu'il y a plus ou moins été forcé. Oui, il était jeune, il fallait satisfaire le peuple, mais les conseillers aussi. C'est vrai, et puis il était malléable, je veux dire, ce n'était qu'un enfant. Lorsque des archéologues font des découvertes sur la période amarnienne et sa chute précipitée par Toutankhamon, l'hypothèse d'un assassinat commence à circuler. Les principaux suspects sont des membres de sa cour. Le suspect numéro 1 s'appelle Horemheb. Il est le chef militaire et le conseiller de Toutankhamon. Il est aussi prétendant au trône. Après la mort de Toutankhamon, il veillera à ce que son nom soit effacé de tous les édifices d'Égypte. Le deuxième suspect s'appelle Aya, le conseiller politique du jeune roi. Pendant le règne d'Akhenaton, il avait accédé à de très hautes fonctions. Après la mort de Toutankhamon, il lui succédera sur le trône. Ces deux hommes avaient un intérêt à ce qu'ils disparaissent ou à ce qu'ils soient assassinés. Dans un instant, les égyptologues vont soumettre la momie au rayon X grâce à un appareil de scanographie ultra puissant. Le roi a-t-il été assassiné ou était-ce un accident ? J'essaie de percer le mystère qui entoure la mort du pharaon Toutankhamon. J'ai pu voir le cercueil qui contient toujours sa dépouille. J'ai découvert qu'il avait fait face à des problèmes politiques et religieux. Mais a-t-il été vraiment assassiné ? Il est temps pour moi de retrouver l'incontournable Zahi Hawass, qui est expert en la matière. Nous allons parler de Toutankhamon. Assieds-toi. D'accord. Moi, je vais m'asseoir ici et te raconter tout ce que je sais sur lui. Très bien. Tu sais, la momie a été passée 2 fois au rayon X et on a dit que Toutankhamon avait été assassiné. Oui, j'ai creusé cette idée. Vraiment ? Peut-être pour des raisons politiques, Horemheb. Oui. Le crâne de Toutankhamon a été radiographié 2 fois. L'image a montré une cavité à la base du crâne. Pour les archéologues, ce trou, c'était la preuve qu'ils cherchaient. La théorie selon laquelle il serait mort suite à une agression et à un coup porté derrière la tête devient plausible. Mais pour Zahi, les recherches continuent. Tu sais, dans ma vie d'archéologue, j'ai vécu des moments formidables. Des moments très importants que je n'oublierai jamais. L'un d'eux, peut-être le plus important, a été de me retrouver en face du roi Toutankhamon. Vous l'avez vu ? C'était stupéfiant. De regarder son visage. En 2005, Zahi et son équipe d'égyptologues se rendent dans la vallée des rois. Ils exhument la momie du pharaon pour la passer dans un scanner.
2000 images plus tard, une image en trois dimensions est reconstituée sur ordinateur. Pour Zaï, c'est la plus belle image jamais prise du jeune roi, d'autant qu'elle écarte la théorie de l'assassinat. En examinant ces images, les archéologues constatent qu'il n'a pas reçu de coup derrière la tête. Non, mais il y a un trou. Ce trou, oui. Ce n'est pas la marque d'un crime. Cette cavité a été faite lors d'une étape de la momification qui était pratiquée sous la 18e dynastie. Ils faisaient un trou par ici pour y couler un liquide. Vraiment, ce n'est pas quelqu'un qui a frappé avec un objet. Non, non. C'est un fait qui écarte la thèse du crime. Il n'y a pas eu de crime. Non. Vous êtes sûr? Absolument. Mais en examinant l'image du scanner, Zaï découvre quelque chose qui aurait peut-être pu causer la mort de Toutankhamon. Depuis plus de 3000 ans, ce corps momifié gardait un secret. Une fracture à la jambe gauche. La gravité de la lésion a pu entraîner la mort de Toutankhamon. L'idée du meurtre est passionnante. Il y a le côté mythique et mystérieux. Mais je suis tellement heureux d'avoir fait tout ça et que les archéologues aient fait cette découverte. Depuis le début, je me disais, j'espère que ce beau jeune homme n'a pas été frappé à mort. L'idée, c'est qu'il n'a pas été tué pour des raisons politiques, mais qu'il serait mort pour des raisons médicales. Oui, c'est exactement ce que je crois aujourd'hui. Il semble qu'il ait eu un accident. En voyant ces images, les archéologues se posent cette question. Une fracture à la jambe a-t-elle pu causer la mort du roi? J'abandonne la piste criminelle pour suivre la piste médicale. À Alexandrie travaille un médecin qui sait de quelle façon Toutankhamon a probablement été soigné il y a plus de 3000 ans. Il s'agit du docteur Sameh Arab. Docteur, bonjour. Bonjour. J'ai trouvé votre bureau. Je suis ravi de vous rencontrer. Je vous ai apporté ça. Pour vous, ça doit être assez palpitant d'étudier les radios d'un pharaon. Ah oui, ça l'est. Ça a plus de valeur que l'or. C'est à cause des informations? C'est de l'histoire. Pour moi, ça signifie que j'ai une nouvelle piste à explorer. Je pourrais peut-être résoudre l'énigme en étudiant les textes qui nous ont été laissés par les scribes et les pharaons. Dans un instant, je reproduirai le nom du roi Toutankhamon. Puis j'essaierai de comprendre pourquoi tout a été fait pour l'effacer de l'histoire. J'essaie de faire la lumière sur un mystère très ancien, la mort de Toutankhamon. J'ai quitté la ville du pharaon et suivi le Nil pour visiter sa tombe. Je vais m'intéresser à l'écriture égyptienne et peut-être découvrir une nouvelle piste. Contrairement aux autres civilisations anciennes, les Égyptiens sont des écrivains prolifiques, surtout à l'époque de Toutankhamon. Peut-être que quelque chose est écrit sur un papyrus ou gravé sur une pierre. Mon amie Salima Ikram est experte en écriture et langage égyptien. Elle est d'accord pour me donner un cours d'écriture accéléré. Elle va m'apprendre comment les Égyptiens ont retranscrit l'histoire des pharaons. Ravi de vous voir. Oui. C'est ici que nous allons. D'accord. C'est dans la banlieue du Caire que Salima a installé son atelier d'écriture de hiéroglyphes. La vue de mon bureau est pas mal, mais là... La leçon commence par le papyrus. Et ça, c'est un Cyprus papyrus. À l'époque, ils utilisaient cette plante? Oui, ils utilisaient seulement cette plante jusqu'au 11e siècle. Pour commencer, il faut couper la tige. 2000 ans avant le règne de Toutankhamon, les Égyptiens faisaient ces mêmes gestes. Ils coupaient la tige, puis ils trempaient les morceaux dans l'eau. Il faut les laisser tremper. On les laisse tremper plusieurs jours. Ils se gorgent d'eau et deviennent marrons? Oui, et ils ramollissent aussi. Étape suivante. Oui. Essorez-le. J'ai compris.
J'ai l'impression de faire de la cuisine. Je remets ça en place. Aujourd'hui, nous allons cuisiner du papyrus. Heureusement pour nous, le pharaon n'est pas là pour nous juger. Je vois. Une fois que les morceaux de papyrus ont fini de tremper, les bandes essorées sont aplaties, frappées et laissées dans un tissu pour le séchage. Voyons le résultat. Allez-y. Vous avez vu? Montrez-moi comment on écrit sur du papyrus. Bien sûr. C'est de l'ocre. À l'époque, les Égyptiens utilisent des couleurs naturelles comme l'ocre et le charbon. L'écriture hiéroglyphique est un des premiers systèmes d'écriture de l'histoire de l'humanité. Comment l'écriture hiéroglyphique a-t-elle évolué dans le temps? Au départ, il n'y avait que des symboles. Ensuite, l'écriture s'est organisée et a donné le langage hiéroglyphique avec des phonèmes. Et voilà. Vous connaissez un signe? Le signe Ankh est facile. Ankh? Ankh. Ah oui, je connais. Allez-y. C'est comme ça que faisaient les scribes. C'est le Ankh de tout Ankhamon. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ankh, c'est la vie. Mm-hmm. Toutankhamon veut dire l'être vivant d'Amon. Oui. Vraiment? La manifestation vivante d'Amon. On dirait que la brosse est trop grosse. On identifie un texte de Toutankhamon grâce à son cartouche. Le nom du roi est gravé sur les monuments et les constructions qui lui appartiennent. Il est inscrit dans la pierre pour l'éternité. C'est très intéressant, mais d'après ce que je vois là, il y a une autre façon d'écrire un texte. Oui, les textes les plus importants figurent sur les murs des monuments et des temples, et donc sur la pierre. Le résultat est très beau, mais ça prend beaucoup plus de temps. Là, on peut lire Amon, ici Tout-Ankh, et ça, c'est quoi? En fait, c'est le nom complet du roi, c'est-à-dire Toutankhamon, Hekayunushema. Si quelqu'un voulait envoyer un message, il l'écrivait... Sur du papyrus? Sur du papyrus. C'était le courriel de l'époque. Oui, si on veut. Mais pour un texte officiel ou quand le roi voulait faire passer un message, c'était gravé dans la pierre. Oui, quand le roi voulait écrire un texte officiel sur un temple ou transmettre une bataille victorieuse à la postérité, c'était gravé dans la pierre. Pour célébrer un événement important, c'était gravé dans la pierre parce que c'est durable dans le temps. C'était écrit une seule fois, mais pour l'éternité. À partir de ces signes, l'écriture égyptienne évolue en un système complexe. Les pharaons de l'Égypte antique ont laissé de nombreux témoignages dans tout le pays. Ils aimaient laisser leurs empreintes, et je sais que l'endroit qu'ils affectionnaient tout particulièrement se trouve au sud du Caire. Retour vers le site de Louxor. Les temples de Karnak. Il s'agit du plus grand complexe religieux du monde. Ici, les pharaons n'ont pas hésité à laisser leurs marques. Il n'y a donc pas meilleur endroit pour chercher des informations sur la vie et la mort de Toutankhamon. Je veux localiser le cartouche de Toutankhamon. Pour m'aider à le trouver, je rencontre le professeur Donald Redford. Monsieur Redford? Oui, Josh. Bonjour, Josh. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. Vous m'avez fait venir, pourquoi? Je voudrais vous présenter Toutankhamon qui est juste là. Cette statue a traversé les âges, mais elle est très abîmée. C'est la preuve que l'enfant roi a laissé son empreinte à Karnak. Mais apparemment, son nom a été effacé. Il y a des cartouches de Toutankhamon? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pratiquement pas de traces de lui. Et quand il y en a, son cartouche est effacé. Vraiment? Oui. Pas de traces? Rien. Il a été frappé d'anathème. Il a été damné. Sa mémoire a été damnée car elle était souillée par l'hérésie amarnienne. Oui, je connais cette histoire. La révolution d'Amarna et le culte d'Aton. Oui. Il y a quelque temps, j'ai visité les ruines d'une ville antique appelée Amarna. À l'intérieur d'un tombeau se trouvent les signes de ce qui a provoqué une révolution religieuse. J'apprends aujourd'hui qu'elle a eu un impact sur le règne de Toutankhamon. La cause de tout est cette image qui représente un dieu, le dieu Aton, qui signifie disque solaire. Le prédécesseur de Toutankhamon, le roi Akhenaton, impose le culte d'Aton. Il force les Égyptiens à vénérer ce dieu unique. L'accès au temple des autres dieux est... Qu'est-ce qu'il y avait? Dans la chambre du trésor, il y avait des chapelles de l'or, des statues. C'est l'endroit où il y avait le plus d'objets précieux.
Je pense qu'il n'y a pas de plus grand trésor au monde. Des objets précieux étaient entassés dans la chambre du trésor et dans l'annexe, juste à côté de la chambre funéraire de Toutankhamon. C'est le plus grand trésor archéologique jamais découvert. Oui. Regarde, Josh. Regarde ce visage. Le sarcophage en or du roi, tel qu'il a été découvert, est intact. L'identité de ce roi, ainsi que son histoire, éveille immédiatement l'intérêt des archéologues. Celui qui s'approche se fait mordre par le cobra. Ce beau visage n'est pas celui d'un vieux sage, mais celui d'un jeune homme. Le trésor est entassé dans une tombe trop petite pour un pharaon. La plupart du temps, le tombeau du roi est construit là où il a vécu et régné. C'était une importante construction qui pouvait compter plus de 100 pièces. Mais le tombeau de Toutankhamon n'a que 4 pièces. Les travaux avaient commencé depuis peu. Cela prouve que sa mort est arrivée par surprise. Il est mort brutalement. C'est tout ce qu'ils ont pu faire en si peu de temps. Quand Toutankhamon est mort, il fallait faire les choses très vite. Des peintures murales simples, dépourvues de sculptures ornementales, indiquent que la chambre funéraire a été réalisée à la hâte. Regarde cette scène. Elle montre le roi Toutankhamon reposant dans sa chapelle. Et les personnages là, c'est la procession funéraire. Ils emmènent la momie dans la tombe. Et maintenant, regarde ceci. Autour du sarcophage, les scènes racontent le passage du roi dans l'éternité. Pour les Égyptiens et leurs croyances, ces peintures devaient obligatoirement figurer dans le tombeau du pharaon. Mais généralement, elles sont beaucoup plus élaborées. Les archéologues comprennent qu'il s'agit d'un jeune roi, mort prématurément et dont la tombe a été préparée à la hâte. Mais quelques mois après l'ouverture du tombeau et après le décès de Lord Carnarvon, le financier des fouilles, une rumeur bizarre commence à circuler. Le tombeau du pharaon Toutankhamon serait maudit. La presse de l'époque en fait une légende de renommée internationale. D'autres personnes meurent en Égypte et hors d'Égypte. Elles sont toutes mises sur le compte de la malédiction du roi. Cette fascinante histoire fait le tour du monde. La légende de la malédiction de la momie est née. Est-ce que vous pensez que cet endroit est envoûté ? Tu sais, la découverte du tombeau et tout ce qui s'est passé autour à cette époque a de quoi envoûter quelqu'un. Et ça a été mon cas. Il y a un mystère qui entoure ce roi. Un mystère et une magie. De nos jours, plus personne ne croit en cette malédiction. En revanche, l'énigme sur les conditions de la mort de l'enfant roi grandit. Pour continuer mes recherches, je quitte l'enceinte du tombeau. Je me rends au musée égyptien du Caire, sûr d'y récolter des informations, car c'est là que le trésor de Toutankhamon est conservé. C'est l'un de mes musées préférés. La momie de Toutankhamon ne reposait pas dans un sarcophage. Nous avons vu celui qui se trouve dans le tombeau, mais dans 3 sarcophages. Le premier contenait le deuxième, qui contenait le troisième. À l'intérieur du troisième reposait la momie du jeune roi, dont la tête et les épaules étaient recouvertes par l'éblouissant masque d'or. Pour avoir une idée des objets qui font partie du trésor, Madame Wafa El Sadik, la directrice du musée, a accepté de m'aider. C'est vrai que c'est magnifique, mais pourquoi l'or est si important ? Eh bien, l'or est la couleur des dieux. Donc, en mourant, il devient un dieu. Il ne s'agit pas d'une fin, mais du commencement d'une vie éternelle. Je vous suis. Pour le peuple de l'Égypte antique, Toutankhamon est devenu un dieu. Son corps est paré d'objets précieux qui symbolisent le changement de son état. Ces objets ont vocation à le protéger dans sa nouvelle vie. Encore des bijoux? Oui, ce sont ceux qui étaient sur la momie. Les couches successives qui abritaient la momie étaient décorées de joyaux symboliques, comme le scarabée, le cobra ou le vautour. Là, qu'est-ce que c'est? Après les bijoux, la directrice du musée me montre des objets très intéressants. Il s'agit de gants et de sandales. Il y a des tailles pour enfants et des tailles pour adultes. Les archéologues font la déduction suivante. Toutankhamon est probablement devenu roi vers l'âge de 10 ans.
au cours de son règne, l'enfant roi devient un jeune adulte. Depuis son trône, le souverain gouverne la civilisation la plus avancée de l'époque. Voici le fameux trône de Toutankhamon. On le voit ici sur un trône, qui n'est pas celui-là, avec sa femme qui le parfume. Quelques détails de la vie intime du jeune homme nous sont parvenus grâce aux objets du tombeau. On sait par exemple que sa femme était sa sœur ou sa demi-sœur et que leurs deux enfants sont morts après leur naissance. Nous avons de plus en plus d'informations sur la vie du roi. Mais nous ne savons toujours pas ce qui a entraîné sa mort. Pour trouver une explication, je dois bien sûr examiner son trésor, mais je dois aussi étendre mes recherches aux autres objets de cette époque. Dans une partie fréquentée du musée, Madame Wafa me montre justement une stèle qui remonte à Toutankhamon. À mon avis, c'est le document le plus important. Cette stèle nous donne des renseignements sur la situation de l'époque. C'est un témoignage. Exactement. Il y est dit, je crois, nos temples sont abandonnés, nos dieux ne sont pas vénérés, nos prêtres n'officient plus. C'est ce qui est écrit, je crois. Oui, en effet, elle parle des temples. La stèle de la restauration n'évoque pas la mort du pharaon, mais elle nous apprend que pendant son règne, l'Égypte était en crise. Toutankhamon a de graves problèmes à résoudre. Cette stèle est plus importante que l'or et l'argent et tous les objets précieux. Vraiment ? Oui, bien sûr. De tous les trésors qu'on a vus, c'est le plus important ? On a eu la chance de trouver ce texte. Pour moi,